Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ok Antipas. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Alors tu veux nous dire ce que Dieu et Jésus est dans la Bible? Oui. C'est ça, hein? Oui. Alors nous te suivons. Qui Jésus est dans la Bible? Je vais vous dire qui il est. Dans la Genèse, il est la semence de la femme. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est le grand prêtre. Dans Nombre, il est une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans Josué, le capitaine de notre salut. Dans Juge, il est juge et législateur. Dans Ruth, il est notre rédempteur. Dans 1 et 2 Samuel, il est le prophète de confiance. Dans Roi et Chronique, il est notre roi qui règne. Dans Esdras, le scribe fidèle. Dans Néhémie, le reconstructeur des mythes de la vie humaine. Dans Esther, il est notre Mardoché. Dans Job, il est notre roi du ciel et notre rédempteur. Dans Psaume, l'Éternel est notre berger. Dans Proverbe et Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amoureux de l'époux. Dans Esaïe, il est le prince de paix. Dans Jérémie, il est le jeune juste. Dans Lamentation, il est le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, il est l'homme aux quatre visages. Dans Daniel, le quatrième de la fournaise Adam. Dans Osée, le mari fidèle pour toujours marié au regard. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit de feu. Dans Amos, le porteur de fado. Dans Abdias, le puissant et le sauveur. Dans Jonas, il est le grand missionnaire. Dans Michée, le messager au paupier. Dans Nahum, le vengeur des élus de Dieu. Dans Habakkuk, l'évangéliste de Dieu, criant accompli dans le cours des années. Dans Sophonie, il est le sauveur. Dans Agée, il est le restaurateur d'un héritage perdu. Dans Zacharie, la fontaine ouverte de la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, le soleil de la justice se levant avec la guérison sous ses ailes. Qui il est dans le Nouveau Testament? Je vais vous dire qui il est. Oui. Dans Matthieu, il est le Messie. Marc, le faiseur du miracle. Luc, le fils de l'homme. Jean, le fils de Dieu. Acte, le Saint-Esprit. Dans Romain, il est notre justicier. Dans 1 et 2 Corinthiens, il est notre sanctification. Dans Galates, le rédempteur de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est le Christ de la richesse infinie. Dans Philippiens, notre Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Amen. Dans Colossiens, il est la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui vient bientôt. Dans 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Tite, notre fidèle pasteur. Dans Philémon, notre ami qui est plus proche comme frère. Dans Hébreux, le sang de l'alliance éternelle. Wow. Dans Jacques, le grand médecin. Dans 1 et 2 Pierre, il est le grand berger. Dans 1, 2, 3 Jean, il est amour. Dans Jude, le Seigneur venait avec 10 000 de ses saints. Dans Apocalypse, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Merci, frère. Et la suite?